Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Bulgom, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, pour ma part je vais super bien. Nouvelle vidéo, le compost. Alors oui, je vais vous montrer le compost. Ben, ça c'est celui-là, c'est celle que j'ai pris à la déchetterie. J'ai mis le bois parce que des fois avec s'il y a un peu de vent, ça risque de bouger. Donc voilà le résultat de mon compost depuis l'été dernier. Alors tout ce qu'on peut mettre dedans, parce que j'ai un bon résultat, l'herbe qu'on a tondue, on peut le mettre dedans. Mais bon, en été, comme il faisait tellement chaud, que du coup, il a fallu que je mouille. Et c'était plein jusqu'à ras-bord, ici. S'il y a de l'ombre, voilà, jusqu'ici. Et quelques semaines après, même pas une semaine après, ça s'est complètement diminué. Alors dedans, on peut mettre des légumes qui sont par exemple dépassés, des coquilles d'œufs. Mais le mieux, c'est les casser en plusieurs morceaux. Les pots de bananes, ça marche très bien. Tout ce qui est, par exemple, les avocats aussi, ça marche très bien. Les épluchures, ça marche très bien. Regardez, je vais vous montrer le résultat. Vous voyez, ça a bien avancé. Alors après, bon, là, nous sommes en hiver, donc c'est pas ça. Mais bon, j'en ai rajouté entre temps. Mais là, cet été, quand il va faire plus chaud, du coup, ça va changer la donne. Donc ça s'est bien transformé, mais c'est pas plus mal. Mais ça, je l'ai pris à la déchetterie. Et c'est en bois. Voilà, je l'ai un peu rafistolé parce que ça s'était fendu, mais sans plus. Voilà, je préfère refermer. Voilà. Alors après, avec ma femme, nous avons pris ce fameux composteur, mais je ne sais pas où je vais encore le mettre. À 15 euros, là par contre, c'est un genre de plastique, mais après, l'avantage, c'est bon, moi là pour moi, j'ai rien mis, je vous montre, voilà comment c'est. Voilà. Là, il est très facile à monter parce que c'est des clips. Alors, les piquets que j'ai, ça va ici. Ici, dans les quatre coins. Je sais pas où je vais encore le mettre. Parce que là, moi, je trouve que ce composteur, il est pas trop mal. Mais après, si on veut récupérer dessous, là, il y a juste à relever. Voilà. Et des deux côtés, je vais vous montrer. Là, il y a des aérations. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Mais pour moi, je sais pas où je vais mettre le composteur encore. Je verrai ça plus tard. Mais après, je vous montrerai le résultat car vraiment, déjà je vous ai montré celui en bois. Bon, nous sommes à peine de début de l'hiver. Voilà, ça va comme ça. Bon, ça à 15 euros à Lidl, on l'a trouvé. Franchement, moi je trouve que ça vaut le coup. Voilà, il y a 8 piquets. J'ai oublié de vous préciser, il y a 8 piquets. Bon, quand je ne sais pas où je vais le mettre, ça je vous montrerai plus tard. Car j'aurais fait le nécessaire, mais pour le moment, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la commenter, de la partager pour me soutenir et ainsi pour le référencement de la chaîne. De vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de mes prochaines sorties de vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.